Et retrouvez maintenant les plantes et leurs bienfaits. Présenté par Arlène et Manu. Les rhubarbes. Quelle variété de rhubarbe pour quelles utilisations? Comme vous avez pu vous en douter, il n'y a pas une mais plusieurs variétés de rhubarbe. Issue de la famille des polygonacées, la rhubarbe est originaire d'Asie et a été importée en Europe il y a quelques siècles déjà. Selon les variétés, sa hauteur est comprise entre 60 cm et plus d'un cinquième. Ses feuilles sont immenses et les tiges, appelées également pétioles, sont très charnues. Quelles sont les différentes variétés de rhubarbe? Selon les variétés, les couleurs de la rhubarbe vont du vert au rouge. Les rhubarbes les plus vertes sont les plus acides, les rhubarbes les plus rouges sont les plus sucrées. Il existe également des rhubarbes à la fois vertes et rouges qui sont moins acides que les vertes mais plus que les rouges. Chez les rhubarbes à tige verte, on retrouve la myrrhe. Elle est précoce et se récolte à la fin du mois d'avril. La raspberry ou framboisenne rude, framboise en français. Bien qu'elle tire son nom de son enveloppe rose, cette rhubarbe a une chair verte. Elle se récolte de mai à juin. La goliath. Elle est très productive et se récolte de mai à septembre. La victoria. Elle se récolte de mai à septembre. Chez les rhubarbes à tige rouge, il y a la valentine. Peu productive, elle se récolte de mai à juin. La Holstein bleu. Elle se récolte de mai à juin. La rouge monarque. Elle se récolte de mai à juin. La Sutton West Seedless. Seedless se traduit par sans graines, car cette variété de rhubarbe ne monte pas en graines. Elle est productive et se récolte de mai à septembre. Les rhubarbes à la fois vertes et rouges. La Red Champagne. Elle se récolte au début du mois de mai. La Miku Haute. Elle est précoce et se récolte dès la mi-avril. Comment cuisiner la rhubarbe? Toutes les variétés de rhubarbe se cuisinent mais on ne le répétera jamais assez. On ne mange que les tiges car les feuilles sont très toxiques. La rhubarbe en cuisine. La rhubarbe s'accommode de très nombreuses façons. Bien qu'elle soit considérée comme une plante potagère, on l'utilise le plus souvent comme un fruit mais aussi parfois comme un légume. C'est l'inverse de la tomate. Dans des préparations sucrées telles que les tartes, les compotes, les confitures, ou encore les sirops. Elles font des merveilles. Une petite anecdote. Vous connaissez la tarte à la rhubarbe, mais avez-vous déjà entendu parler du vin de rhubarbe? Eh oui, on peut également consommer cette plante en apéritif. Vous pouvez trouver du vin de rhubarbe directement chez des producteurs ou encore en boutique spécialisée. Vous pouvez même le fabriquer vous-même. Comment utiliser la rhubarbe en cuisine? Elle se déguste cuite et s'accorde très bien avec l'amande, la fraise, la poire ou la pomme. Pour les plus audacieux, vous pouvez la cuisiner dans vos plats de viande ou de poisson. Pour choisir une rhubarbe plutôt qu'une autre dans sa recette, on se base surtout sur son acidité et sa sucrosité. Selon vos goûts et vos préférences culinaires, vous privilégierez les vertes pour leur acidité et les rouges pour leur saveur sucrée. Bon à savoir. Pour équilibrer l'acidité d'un fruit, on lui ajoute du sucre sous forme de poudre, de miel, de sirop d'agave, de sirop d'érable, etc. Tout dépend de ce que vous aimez et de ce qui se trouve dans les placards de la cuisine. Bienfaits et vertus de la rhubarbe. Qui est-elle? Originaire d'Asie, la rhubarbe fut ramenée en Europe au XVIe siècle par Marco Polo. À cette époque, ses vertus curatives se sont reconnues, notamment sa capacité à soigner les maladies vénériennes, mais sa consommation purement alimentaire reste encore peu fréquente. Ce sont les Anglais qui nous ont finalement appris à l'apprécier en tant qu'aliment au XIXe siècle. On commence alors à cultiver la rhubarbe en France, s'acclimatant très bien à nos contrées.
De nos jours, on la trouve principalement dans le nord et dans l'est de la France, mais on peut très bien la cultiver dans nos jardins, pour peu qu'elle reçoive suffisamment d'eau. Côté saison, elle pousse de façon spectaculaire dès le mois d'avril. En quelques jours, elle peut atteindre jusqu'à 1 mètre de hauteur. On la retrouve sur les étals jusqu'à juillet. Mais d'où provient donc ce nom si barbare? En cherchant des informations sur l'origine du nom de cette plante, on se rend vite compte que plusieurs histoires s'entremêlent. Une chose est sûre, le mot rhubarbe provient du latin rhubarbarum signifiant littéralement racine barbare. Soit car elle n'était consommée que par des peuples étrangers, appelés alors barbares, soit car elle poussait spontanément et librement sur les berges. Pour d'autres, ce nom proviendrait du grec rion signifiant qui s'écoule, par allusion aux effets laxatifs de cette plante. Un précieux allié santé. Peu calorique, 21 kcal au 100 g, et riche en fibres. La rhubarbe s'avère être très intéressante pour réguler notre transit intestinal. Les fibres étant également hypotriglycéridémiantes et hypocholestérolémiantes, elles contribuent à la bonne régulation des graisses. Dans notre estomac, les fibres ont tendance à gonfler et permettent donc une plus grande satiété. De plus, elles ralentissent également l'absorption du sucre dans notre corps et nous permettent donc d'éviter les petits coups de pompe de l'après-midi. Un des principaux atouts de la rhubarbe, c'est sa richesse en minéraux. On retrouve effectivement une grande quantité de calcium, qui participe au bon maintien de notre masse osseuse. Mais également des taux intéressants de phosphore et de potassium, qui contribuent à l'équilibre acido-basique de notre corps et au bon fonctionnement de notre cœur et de notre cerveau. Enfin, elle contient également du magnésium, indispensable à de nombreuses fonctions de notre organisme, notamment au maintien de notre masse musculaire. La rhubarbe contient également une quantité importante de polyphénols et de bêta-carotène, en particulier lorsqu'elle est cuite. Ces dernières sont des molécules antioxydantes que les végétaux produisent naturellement pour se protéger des agressions extérieures comme les UV, les champignons ou encore les insectes. Pour nous, elles auront pour action de nous protéger des radicaux libres qui agressent nos cellules. Elles participent également à renforcer notre système immunitaire. Vous l'aurez compris, la rhubarbe se révèle être un allié santé de taille. Elle est donc à consommer sans modération. Comment la préparer? Vous pouvez l'éplucher, comme une carotte, si ses tiges sont très grosses ou filandreuses. Taillez ses extrémités sèches puis coupez le reste en petits morceaux ou tronçons. Ensuite, il vaut mieux la faire dégorger quelques minutes dans un saladier avec du sucre avant sa cuisson. Quelques exemples de cuisson pour la déguster, seule, accompagnée de fromage blanc ou encore à incorporer dans vos recettes de gâteaux préférées. Saupoudrez la rhubarbe de sucre et faites-la dorer au four pendant quelques minutes jusqu'à sa caramélisation. Dans une casserole, faites-la mijoter, à couvert pendant 15 à 20 minutes. La cuisson est bonne lorsque les tronçons commencent à se désagréger. Je fais souvent la grimace, je la croque avec audace. Elle est sûre et en citron, elle me donne le frisson, la rhubarbe. Papa riait dans sa barbe quand je mangeais de la rhubarbe. Papa riait dans sa barbe quand je mangeais de la rhubarbe. Quand je mangeais de la rhubarbe. De grandes feuilles comme des oreilles d'éléphant, des branches comme un beau céleri géant. Mon papa riait et moi j'adorais la rhubarbe. Papa riait dans sa barbe quand je mangeais de la rhubarbe. Papa riait dans sa barbe quand je mangeais de la rhubarbe. Quand je mangeais de la rhubarbe. Maman disait c'est surette, une fois cuite elle est parfaite. Relish compote ou purée, elle est bonne pour ta santé, la rhubarbe. Hey, hey, hey. Papa riait dans sa barbe quand je mangeais de la rhubarbe. Papa riait dans sa barbe quand je mangeais de la rhubarbe. Quand je mangeais de la rhubarbe. Ouh.
Comment cultiver la rhubarbe? La rhubarbe est une plante potagère rustique qui aime un sol riche en humus et fraises et une terre assez lourde. Niveau exposition, elle apprécie le soleil. Elle peut également pousser à la mi-ombre mais la production sera sûrement moins importante. La rhubarbe prend de la place, il faut donc lui réserver un espace conséquent. Quand planter la rhubarbe? La rhubarbe se plante à l'automne ou au printemps. Comme elle s'étend et qu'elle est productive, il n'est pas nécessaire d'en semer beaucoup si vous ne souhaitez pas en faire commerce. Deux ou trois rhizomes seront amplement suffisants, notamment si vous n'avez pas un grand jardin potager à disposition. Les semis en godet de la graine de rhubarbe. Elle s'effectue au printemps puis la plantation a lieu en septembre. Bon à savoir. La rhubarbe se divise très facilement. Vous pouvez donc reprendre un plant existant, ce qui vous évite le semis des graines en godet. Comment entretenir la rhubarbe? La rhubarbe aime les sols riches et frais, donc n'hésitez pas à lui ajouter un peu d'engrais ou de compost, notamment la première année. Lorsque les températures sont très élevées, notamment en été, les arrosages doivent être réguliers afin que la terre ne sèche pas. Comme pour la plupart des fruits, des légumes et des fleurs, il est conseillé de pailler le sol. Enfin, n'oubliez pas d'enlever les mauvaises herbes et les tiges fanées dès leur apparition. La rhubarbe est-elle toxique? Sur la rhubarbe, seule la tige, ou pétiole, est comestible. Il ne faut surtout pas consommer les feuilles car elles sont hautement toxiques. Les feuilles de rhubarbe sont très fortement pourvues en acide oxalique, appelé également oxalate, qui provoque des douleurs abdominales, des diarrhées, des nausées, des vomissements et des problèmes rénaux. Que faire avec les feuilles de rhubarbe? Sur la rhubarbe, il est primordial de se souvenir qu'on ne mange que la tige et rien d'autre. Les feuilles de rhubarbe sont toxiques pour les humains et ne doivent donc surtout pas être ingérées. On peut cependant les réemployer au jardin et au potager en les transformant en purin de rhubarbe. Vous pourrez l'utiliser pour lutter contre les pucerons par simple pulvérisation. Recette du purin de rhubarbe. Le purin de rhubarbe est rapide et efficace pour lutter contre les pucerons. Pour réaliser la recette, il vous faudra 1 kg de feuilles de rhubarbe, 3 litres d'eau, une grande casserole, une grande passoire, un pulvérisateur. Faites bouillir les 3 litres d'eau. Versez l'eau bouillante sur les feuilles de rhubarbe. Laissez macérer pendant 24 heures. Filtrez le mélange obtenu avec la passoire. Transvasez votre purin d'ortie dans un pulvérisateur. Et voilà, c'est prêt à utiliser. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlène et Manu.